Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue gens d'ici et d'ailleurs, bienvenue gens des contrées lointaines ou proches. Bienvenue à vous mes amis cyclistes, nouvelle journée, nouvelles histoires, nouveaux moments. Bienvenue à Grand Yapo. Grand Yapo, nous débuterons notre périple du jour. Nous serons bien accueillis par les populations de cette petite ville de Côte d'Ivoire, toute proche de Agboville. Chers amis, je vous emmène découvrir de nouveaux paysages. Au passage, permettez-moi de dire merci à Gino et à toute sa team pour la découverte de ce circuit. Avant de continuer, je vais vous demander de faire une seule chose. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Facebook. Demain, même Instagram, Angelizera Vélo. Donnez-moi de la force, chers amis, c'est gratuit. Si vous aimez ce contenu, partagez autour de vous. Ne mettez pas seulement que des likes, partagez autour de vous. Ça donne de la force, les amis, ça donne de la force. Allez, c'est parti, on y va. Pas de vidéo pornographique, hein. Monsieur Ange, pas de vidéo pornographique. Faut être sérieux, hein. Après les préparatifs de tout un chacun, c'est au tour de Gino de prendre la parole pour nous donner les instructions relatives aux différentes difficultés du circuit du jour. Vous l'avez compris, Gino lui-même ne participera pas au circuit du jour, car convalescent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas reproduire tout ce que vous verrez dans cette vidéo, car les personnes présentes dans cette vidéo sont super entraînées. C'est parti pour le circuit de Grand Yapo. On enchaîne déjà avec les difficultés à moins de 1 km du début de ce circuit. Pas le temps de bien chauffer les muscles, mais bon, nous sommes habitués. Dès les premières difficultés, le président Rougeau du VCT, entendez par là le vélo club de 13 villes, semble accuser son vélo. Prési, le vélo n'a rien à voir dans cette histoire. Faut juste chauffer les pédales. Allez! Joseph qui semblait partir en échappée pour SDI, mais tout de suite qui se calme. Je ne sais pas pourquoi. L'entame au sein Didi top 20, très très chaud. La question que tout le peuple se demande, pourra-t-il tenir à ce rythme? Question. Après environ 10 km, des membres du club SDI décidèrent de rouler ensemble. On va dire un choix par défaut. Sauf que moi, je peinais sur les montées et le groupe avait tendance à partir assez loin. Faut noter que notre ami Alain de Madagascar s'est joint à la troupe. T'as filmé? Oh.
Amen. Amen. Gessé, gué. On a combien de kilomètres, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Regarde, en plus, il est bon. 25 km seulement. Ah bah, dedans, on n'est pas arrivé. Du mal, hein. Il s'est promené avec toi. Ça, c'est le vélo qui va vite. Désolé, mon vélo. Désolé. Ah, non, j'ai une deux plus en vélo. Ouais. Un vie. Dis-moi, c'est la route ou c'est pas la route? Non, mais c'est la route, c'est la bonne route. Tu veux voir le tracé? Ouais. On s'est trompé deux fois, hein. Mais on va y arriver. C'est le parcours des titans. On va y arriver. Très beau site, rocailleux, mais c'est pour les initiés. Ça menait le voir depuis le début. D'accord. Bonjour, bonjour. On a entendu bonbon. On est arrivé. Ah, bonjour. Merci. Et du courage. Allez, les enfants. Oui. Nous sommes contents de vous voir. Oui. Souvent, c'est à la tige. On va vous voir. Bon. Ah, bien, bien sûr. Parce qu'on va vous voir. Comment vous ne venez pas vers nous. On va pour ça. Ouais. Non, mais les enfants, ils ont vu. Ouais, il y a voilà, besoin de pousser. On va à la télévision. Voilà ça. Merci beaucoup. Merci aussi. Ouais. Voilà. Après le village de Gessegué, nous sommes à Akébéfia, ce village qui dispose d'une carrière, écoutez bien, interdite à toute personne étrangère. Mais par un pur hasard, nous sommes tombés sur cette carrière. Nous nous sommes donc laissés emporter par la beauté du paysage, en prenant quelques photos bien sûr, avant de continuer notre chemin. Hey, hello, hello à tous, je vous envoie dans une carrière, je ne sais pas ce que c'est. Il casse ici. Ça dit quoi? Granit. Ça dit granit. La Côte d'Ivoire est riche. En fait, il veut t'aider pour les gestants. La tête là est partie, la plaquette est tombée. Oh, j'ai suivi un vélo. Yeah. On fait du vélo pour les gestants. C'est ça, rien. Yeah. Hey, il n'avait qu'une envie, c'était de me crever. Ah, bah écoute, l'élève veut dépasser le mec. Jérémy, si tu m'entends, hein. T'as gagné, hein. Allez. À vélo, toujours. Après la visite de la carrière, le temps était donné. C'était feu à volonté. Nous sommes partis comme des fusées. Et chacun y allait de son rythme. L'objectif final était d'arriver assez vite. Et pour dire vrai, nous avons roulé comme on le pouvait. I feel.
les amis, nous sommes au terme de cette vidéo. J'aimerais vous dire merci. Merci pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui donnent la force depuis le début. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais saluer ici tous mes amis depuis le Congo, depuis le Sénégal et depuis le Gabon, ainsi que mes amis de la Côte d'Ivoire. Les gars, vous êtes formidables. N'oubliez pas, c'est les partages qui continuent de donner de la force et qui font la promotion du VTT en Côte d'Ivoire. Ange Ezra Vélo n'est que le canal. Ange Ezra Vélo, toujours, toujours, toujours. Et merci à Momo qui m'a passé son VTT le temps que je puisse kiffer encore. Cousino. Merci Cousino, très très bien, on s'est régalé. À part Ange qui nous a un petit peu embêté. Ange Désiré là, toujours avec la caméra, nous filmer, peut même pas les piser. Ange du film, c'est pas possible ça. T'as été troisième, non? Oui, j'ai non, quatrième. Je suis venu pour pédaler, je suis pas venu pour chercher une ordre.